Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom à tous ceux qui se sont réveillés ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka présentée par Chris Dukumana. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Vendredi dernier, on échangeait sur un verset qui est très important. C'était dans Romains 6, verset 12, qui disait que le péché ne doit pas régner sur nos corps et qu'on ne doit pas obéir à ses convoitises. C'est très important de comprendre qu'on doit avoir la grâce pour résister aux convoitises de la chair. Si tu fais tout ce que le corps désire, tout ce que la chair désire, ça signifie que le péché règne dans ton corps. Il nous faut la grâce de Dieu pour pouvoir résister. Mais ce matin, je m'adresse à ceux qui pêchent, mais qui ne veulent pas pêcher. Ils tombent toujours dans le péché, malgré qu'ils ne veulent pas. Il y a même ceux qui pleurent, mais qui continuent quand même à pêcher. C'est plus fort qu'eux. Ils n'arrivent pas à se contrôler. Il y a des gens qui m'écoutent, qui ont essayé plusieurs fois d'abandonner la masturbation, ça ne marche pas. Tu as essayé d'abandonner la fornication, ça ne marche pas. Tu veux changer, tu peux changer quelques jours, mais après, tu tombes toujours dans le péché. Tu tombes toujours dans le même péché. Tu ne comprends pas. Aujourd'hui, on va lire dans Romains chapitre 7, verset 15. Romains 7, verset 15 dit, je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. J'aimerais que vous lisiez ce verset dans vos Bibles. Ici, Paul dit qu'il ne sait pas ce qu'il fait, et il ne fait pas ce qu'il veut, et il déteste ce qu'il fait. Il y a des gens qui m'écoutent ce matin, qui détestent ce qu'ils font. Tu es peut-être dans la masturbation, tu es peut-être dans la fornication, tu fais des choses, tu as même honte de ce que tu fais, et tu aimerais changer, et ça ne marche pas. Je t'invite à continuer à lire au verset 18. Il est dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas à moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je le répète, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ce matin, j'aimerais m'adresser à ceux qui ont la volonté de faire le bien, mais qui n'ont pas le pouvoir. Tu veux abandonner la fornication, mais tu n'as pas le pouvoir d'abandonner la fornication. Tu veux abandonner la masturbation, ça ne marche pas. Il y a un jeune homme qui m'écoute, qui a toujours le désir de coucher avec des hommes comme lui. Il veut abandonner ça. Tu veux abandonner ça. Tu n'aimes pas ça, mais tu n'as pas le pouvoir. C'est plus fort que toi. Ce message est pour toi aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui vont être transformés après ce message. Parce qu'il y a un remède. Le diable veut te faire croire que c'est comme ça, que tu es né comme ça, que tu es fait comme ça, que ce n'est pas ta faute, que tu peux persister dans nos péchés. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire qu'il y a une solution. Dieu a une solution pour toi. Toi qui pêches, qui ne veux pas pêcher, mais qui pêche quand même, le Seigneur a un message pour toi. Au verset 20, il est écrit, « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite à moi. » Est-ce que vous avez compris ce verset? Il fait ce qu'il ne veut pas et dit que ce n'est plus lui qui le fait, mais c'est le péché qui habite en lui qui le fait. Donc toi, tu ne veux pas pécher, mais il y a le péché qui est en toi et c'est ce péché qui fait que tu pèches malgré que tu ne veux pas pécher. Au verset 21, il est écrit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Tu veux faire le bien, mais il y a le mal qui est toujours attaché à toi. Au verset 22, il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc selon l'homme intérieur, tu as compris la parole de Dieu. Tu ne veux pas pécher, tu prends plaisir à la loi de Dieu. Mais au verset 23, il est dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Au verset 24, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il a compris que le problème est dans son corps. Il dit, qui va me délivrer du corps de cette mort? Il est en train de crier pour chercher la solution. Il y a beaucoup de gens qui me écoutent, qui sont liés par le péché, qui sont liés par beaucoup de vices. Ils veulent être délivrés. Si c'est toi, il y a une solution. Et la solution, le médicament, se trouve au verset 25. Il a dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. On comprend que c'est Jésus qui peut te délivrer. Ainsi donc, moi-même, je suis pas l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis pas la chair esclave de la loi du péché. Tu choisis qui est ton Seigneur. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer. Toi qui es lié, toi qui pêches involontairement, appelle Jésus, accepte que tu ne peux pas, reconnais que tu ne peux pas, demande son secours, il va te délivrer. Il n'y a que Jésus qui va te délivrer. Il y a beaucoup de gens qui seront délivrés. Appelle Jésus qui soit ton Seigneur, ton Sauveur. Tu peux le faire. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, tu peux nous appeler au plus 257 76 57 79 65. Si tu résides aux États-Unis ou au Canada, tu peux appeler au 613 462 93 52.
C'est maintenant le moment de continuer notre étude du livre de Un Roi. Si tu es nouveau dans l'émission Kanguka, je te demande de visiter la section des archives afin d'écouter tous les sujets qu'on a déjà abordés, car on a commencé cet enseignement depuis le 22 mai. Hier, on était presque à la fin du deuxième chapitre. Je vous ai montré qu'après la mort de Salomon, c'est son fils Roboam qui lui a succédé. Mais même si Roboam a succédé Salomon, il n'a pas régné sur toute l'étendue d'Israël, car Dieu avait dit qu'il confiera le royaume aux serviteurs de Salomon. Le fait de confier le royaume aux serviteurs, c'était une humiliation. Dieu avait dit à Salomon que cela se produira après sa mort à cause de David. J'aime beaucoup cette partie, à cause de David. Je vous ai dit que pour nous qui sommes sauvés dans le Nouveau Testament, nous avons des bénédictions de la grâce à cause de Jésus, à cause de ce que Jésus a fait. Dieu nous considère comme des justes, comme des saints, à cause de Jésus. Roboam n'a pas régné pendant longtemps, car le peuple d'Israël s'est divisé. Nous avons vu que Roboam est allé demander le conseil aux jeunes, et ces derniers lui ont mal conseillé, ce qui a causé la division au sein d'Israël. Vous savez qu'en Israël, il y avait 12 tribus, mais 10 des 12 tribus lui ont tourné le dos parce qu'il avait fait un mauvais choix. Il a écouté les jeunes au lieu d'écouter les sages. Israël s'est divisé. Il y a 10 tribus qui sont allées au nord. Roboam est resté avec 2 tribus seulement. Il est resté avec la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Mais les 10 autres sont allés au nord. Et Jéroboam, le serviteur de Salomon, a finalement été couronné comme roi d'Israël. C'est l'accomplissement de la prophétie de Dieu qu'elle avait dit à Salomon qu'il va donner son royaume à son serviteur. Jéroboam a été intronisé. Nous voyons ça au verset 20. 1 Roi chapitre 12 verset 20, il est écrit, tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, il envoyait appeler dans l'assemblée et il le fit roi sur tout Israël. Et ça, c'est la partie du nord, les 10 tribus. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Rappelez-vous que Dieu avait dit à Salomon qu'il fera d'Israël un sujet de moquerie parmi tous les peuples. Tout cela est arrivé à cause du péché de Salomon. Dieu avait annoncé que le peuple d'Israël sera un sujet de moquerie et qui s'éparpillerait. Est-ce que Dieu avait dit était en train de s'accomplir. Je vous avais demandé de lire jusqu'au 16e chapitre. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur le 13e, 14e, 15e, 16e chapitre. Lundi prochain, je vais me concentrer sur le 17e chapitre. Il y a beaucoup de choses à dire sur le 17e et le 18e chapitre. Mais je vais juste passer en parcourant les 4 chapitres, c'est-à-dire du 13e au 16e. Au 13e chapitre, vous allez voir l'histoire d'un prophète auquel Dieu avait interdit de manger et de boire quoi que ce soit. Le prophète avait obéi aux instructions de Dieu, mais sur le chemin de retour, il a rencontré un vieux prophète qui lui a donné de nouvelles instructions qui étaient contraires à celles que Dieu lui avait données. J'espère que vous avez lu ça. C'est important de lire. Il faut lire tous les 4 chapitres, 13, 14, 15, 16. Au verset 18, toujours au chapitre 13, on voit que le vieux prophète lui a dit « Moi aussi je suis prophète comme toi. » Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit « Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » On voit bien que ce vieux prophète mentait. Si vous avez lu ça, vous avez remarqué que le vieux prophète disait des mensonges. On peut voir au verset 24 que sur le chemin de retour, le prophète a été tué par un lion qu'il venait de rencontrer. Il a été tué parce qu'il a désobéi. Il n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit, mais il a plutôt préféré écouter au vieux prophète. La leçon qu'on peut tirer de cela est qu'il ne faut pas se fier uniquement aux prophéties des autres personnes. Il faut écouter ce que Dieu te dit. Si Dieu t'a dit quelque chose, il faut que l'autre prophète confirme. Il ne faut pas écouter l'homme, il faut écouter Dieu. Le jeune prophète a abandonné ce que Dieu lui a dit. Il a préféré écouter le vieux prophète. Il faut comprendre qu'un prophète doit confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Ne te fie pas uniquement aux prophéties des autres, mais écoute d'abord ce que Dieu te dit. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Les prophètes peuvent te donner un message et la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas mépriser les prophéties. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à 21, il est dit qu'on ne doit pas mépriser les prophéties, mais qu'il faut retenir ce qui est bon. Il faut faire attention et retenir uniquement ce qui est bon. Il ne faut donc pas mépriser les prophéties, mais il faut sélectionner. Il faut être sélectif. Les enfants de Dieu doivent être sélectifs. Il faut toujours faire confiance au Saint-Esprit. Je n'ai pas non plus beaucoup de choses à dire au chapitre 14. J'espère que vous avez lu tout le chapitre. On nous parle du malheur qui a frappé Jéroboam parce que Dieu était irrité contre lui. À cause de ses mauvais actes, la famille de Jéroboam a été maudite. La malédiction est tombée sur sa famille. Il a perdu un enfant est mort, ainsi que des membres de sa famille. Il y a eu toutes sortes de malheurs à cause de ses péchés. Au verset 20, on nous parle de la mort de Jéroboam. Et au verset 31, on nous parle de la mort de Roboam.
le fils de Salomon. Il est mort après 17 ans de règne. Et à sa mort, c'est Abijam, son fils, qui l'a remplacé. Au chapitre 15, du 1er au verset 5, on nous dit encore une fois que Dieu a délivré Jérusalem à cause de David. J'aime particulièrement le verset 5 qui dit que David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et ne s'était pas détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, sauf quand il a commis le péché d'adultère en couchant avec Bathsheba et en tuant son mari. C'est le seul péché de David qui a irrité Dieu. Dans tous les autres cas, il marchait dans la voie de Dieu. J'ai pas beaucoup de choses à dire. Au chapitre 16, on nous parle de Bacha et du 1er au 4e verset, on peut voir que son roi a commis des péchés similaires à ceux de Jéroboam. Il a subi les mêmes conséquences que Jéroboam. C'est important de comprendre que le péché a toujours des conséquences. C'est tout ce que j'avais à dire sur les 4 chapitres. Je vous demande de lire attentivement le 17e chapitre et on va en parler lundi. Rappelez-vous que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Je vous souhaite tous un excellent week-end. Que Jésus vous bénisse. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.